Vidéo sur la leçon du chapitre 22. Alors là aussi, on a un petit peu modifié l'ordre. Hein. Ce n'est pas le 22e chapitre qu'on fait, mais ce n'est pas grave. On le fait vraiment dans la continuité du chapitre précédent, puisque c'est vraiment la suite logique de ce qu'on vient de voir sur les fractions, à savoir qu'une fraction, ce n'est jamais rien d'autre qu'un découpage, qu'une division de quelque chose en plusieurs morceaux, tous de la même taille. Et ça permet notamment de faire des calculs. Et là, on va notamment voir comment ça se fait que certaines des fractions différentes peuvent aboutir au final au même endroit lorsqu'on allait sur des droites graduées. C'était l'un des derniers exercices qu'on avait fait et je vous avais dit qu'on en parlerait un petit peu plus tard et que certains d'entre vous connaissaient déjà un petit peu la règle. Alors, pour ceci, on va faire une petite activité. Vous avez ici un petit rectangle, à chaque fois le même, qui a été coupé en 24 petits morceaux. Et je vous demande simplement de le couper donc en 24 morceaux et on va colorier les 16 24e. Donc il faut que sur ces 24 carrés, il va falloir que j'en colorie 16. Alors 16, ben, j'ai un petit peu le choix. Hein. 16, je peux décider de par exemple colorier, ben, je ne sais pas moi, celle-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà. J'ai choisi de colorier celle-là. Mais j'aurais pu en choisir, bien sûr, d'autres. Les petits pinailleurs parmi vous diront que je n'ai pas colorié, que j'ai juste mis des croix. Bien évidemment, si vous voulez vraiment colorier ça correctement, vous le coloriez correctement. Le deuxième ici, on me demande de faire la même chose, mais cette fois-ci de le couper en 6 et je ne veux en colorier que 3. Alors là, j'ai le choix du découpage. Je peux décider de, par exemple, le découper en 6 morceaux d'ego. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, vous voyez bien qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bandes, toutes de la même taille, et je vais en colorier 4, 1, 2, 3 et 4, voilà. J'aurais pu faire un autre découpage, si j'avais eu envie, pour le couper en 6, j'aurais pu, par exemple, décider de couper ça donc, en 3, et après, en 6. Donc, vous voyez bien que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'aurais pu du coup choisir de colorier 4 de ces 6 zones. Par exemple, toutes celles-là, 1, 2, 3 et 4. D'accord ? Ça m'aurait donc fait au final toute cette zone-là qui aurait été colorée. J'aurais pu choisir d'en colorier bien évidemment une autre. En tout cas, c'était un autre découpage possible pour le partager en 6 parts égales. Voilà. Ici, même exercice, on me demande de le couper en 12. Alors, le couper en 12, je peux par exemple procéder de la manière suivante. Je peux donc le couper déjà en 6, comme avant. Et après, je recoupe ça en 2. Ça me fait bien 12 parts égales. Et là, je vais devoir en colorier combien? 8. Donc, par exemple, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bon. J'aurais pu faire un autre découpage que celui-là, c'est-à-dire j'aurais pu par exemple choisir de faire ce découpage ici, à savoir j'aurais pu faire le couper ici en 3, plutôt que de le couper en 6 comme avant, et par contre, une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois, ça me fait bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zones toutes différentes. Et bien ces 12 zones, là aussi je peux décider d'en colorier 8. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, j'aurais eu ce découpage-là. Bon. Le dernier, 2 tiers. Bon alors là, le 2 tiers, si on ne veut pas trop se fatiguer, le plus logique c'est de faire celui-là. Il n'y en a pas 36 000, de simple en tout cas, ce serait celui-là. Voilà, là j'ai 2 tiers. Et donc j'ai 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, et je vais en colorier les 2 tiers, bah, par exemple, ça et ça. Voilà. Donc j'ai colorié à chaque fois 16 24e, 4 6e, 8 12e, 2 tiers. Et bien on va un petit peu comparer tout ça. Bah, si vous regardez un petit peu la surface que j'ai coloriée en tout, bah, déjà on remarque par exemple entre ce découpage-là, et ce découpage-là, au final, c'est exactement la même zone. Si vous considérez bien, ça a une forme de L un petit peu retournée avec exactement les mêmes carreaux. Celui-là, d'ailleurs, c'est exactement la même forme aussi. Si on compare ces deux-là, on voit bien que c'est exactement la même zone.
Et là, c'est une autre forme qui est un petit peu isolée. Mais au final, si on les compare, si je compte petit carré par petit carré, là, il y en avait 16, finalement, je me rends compte que cette zone-là, elle en a aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai également 16 petits carrés qui ont été coloriés ici. Là aussi, puisque c'est la même zone. Ici, si vous faites le calcul, ou si vous les comptez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, j'ai là encore 16 petits carreaux. Donc, quelle que soit ma façon de découper, que ce soit ces façons-là ou ces façons-là, et quelles que soient finalement les cases que je vais choisir de colorier, à la fin, j'aurai 16 carreaux qui auront été coloriés, 16 petites cases comme ça. Alors c'est quand même bizarre parce que j'ai des fractions qui sont différentes et à la fin j'obtiens exactement la même chose. En réalité ce n'est pas du tout un tour de passe-passe, c'est tout à fait logique, il y a une règle derrière qui dit simplement que, elle est marquée ici, on ne modifie pas la valeur d'une fraction quand on multiplie ou divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre non nu. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'utiliser 0 dans cette histoire-là. Mais si vous utilisez autre chose que 0, ça marche. Donc, vous avez le droit de... En fait, qu'est-ce qui se passe? Si je compare 2 tiers, par exemple, avec 8 douzièmes, et bien pour passer de l'un à l'autre, vous remarquez que 2, si je fais 2 fois 4, j'obtiens 8, et 3 fois 4, j'obtiens 12. Le fait d'avoir fait x4 avec le dénominateur et x4 avec le numérateur, si je le fais dans l'autre sens, c'est divisé. 8 divisé par 4, ça fait 2, et 12 divisé par 4, ça fait 3. En tout cas, on passe de l'une des fractions à l'autre en ayant multiplié ou divisé par 4 en haut et en bas. Et bien, j'obtiens à la fin la même chose. J'obtiens un équivalent, c'est-à-dire cette surface-là et celle-là, c'est exactement la même surface, à la même taille. De même, pour aller d'ici à là, ben vous remarquez que 2 fois 2, ça fait 4, 3 fois 2, ça fait 6. Pour aller d'ici à là, ben vous voyez bien que 16, 24 par rapport à 4 et 6, c'est 4 fois plus grand. Donc, soit vous faites diviser par 4 pour aller du 16, 24e au 4, 6e, ou vous faites x4 pour aller du 4, 6e au 16, 24e. Donc, là, il y a un rapport de 4. Ici, entre ces deux-là, ben 16, 24, 8 et 12, c'est le double. Et pour aller d'ici à là, par exemple, c'est 8 fois plus grand. 2 fois 8, ça fait 16. 3 fois 24, ça fait 3 fois 8, ça fait 24. Donc, ces quatre fractions sont égales, tout simplement, parce qu'on peut passer très facilement de l'une à l'autre en multipliant ou en divisant toujours par un même nombre, ce nombre ne devant pas être 0. Donc, c'est une règle. C'est une règle qui est à connaître, qu'on va appliquer très souvent et que vous utiliserez très souvent au collège. Et c'est d'ailleurs pour cela que si vous vous souvenez un petit peu peut-être d'un des anciens exercices qu'on avait fait précédemment, enfin la fois, une des fois d'avant, vous deviez placer, voilà, je vous le ressors, on avait cet exercice-là. Ben, c'est ce qui explique pourquoi. Le point A, on pouvait écrire cela sous la forme 4 dixièmes ou 2 cinquièmes, puisque c'est la moitié l'un de l'autre, 4 divisé par 2, 10 divisé par 2. 5 divisé par 5, ça fait 1, 10 divisé par 5, ça fait 2. 12 divisé par 2, ça fait 6, 10 divisé par 5, ça fait 2. 10 divisé par 2, ça fait 5. Donc on fait la même opération en haut et en bas. Donc cette règle est une règle extrêmement importante. Et du coup, vous avez des exemples. Ici, par exemple, si vous voulez compléter les fractions qui manquent, il faut vous poser la question, 7 pour arriver jusqu'à 21, ben vous allez faire x3, et donc vous allez faire 4 x 3, et vous allez obtenir 12. Donc 12 21e et 4 7e, c'est la même chose. D'ailleurs, si vous regardez à la calculatrice, 4 divisé par 7, vous regardez combien ça fait, 12 divisé par 21, vous trouverez exactement le même nombre. Ici, même chose. 42 pour devenir 6, on a fait divisé par 7, donc on va faire 35 divisé par 7 aussi, et vous allez trouver 5. 6 divisé par 5, vous allez trouver 1,2. 42 divisé par 35, vous trouverez aussi 1,2. Celui-là est un petit peu plus compliqué, puisque le 10 pour devenir 2, au début ça ne me pose pas de problème, c'est divisé par 2, excusez-moi. Et donc 22 divisé par 2, ben c'est 11, donc pour l'instant tout va bien. Le 5 pour devenir 15, on fait x3, donc on va faire aussi 11 x 3, on va trouver 33. Et là où ça se complique, c'est que le 33 pour devenir 77, ben ce n'est pas un nombre très simple à trouver. Par contre, on va être un petit peu plus malin que ça. Puisque en fait, cette fraction-là, le 15 33e, c'est exactement la même chose que 5 11e et que 10 22e, ils sont tous les trois égaux. C'est le même nombre, il est juste écrit différemment.
Ben, puisque le 15 33e ne m'arrange pas, je vais voir s'il n'y a pas une autre fraction par hasard qui m'arrangerait davantage. En l'occurrence, le 5 11e m'arrangerait plus. Pourquoi? Parce que le 11, pour devenir 77, il suffit de faire 11 fois 7. Et je trouve 77. Et ben donc, du coup, je vais faire 5 fois 7 aussi. Et je vais trouver 35. C'est-à-dire que je prends la fraction parmi toutes celles qui sont égales, celle qui m'arrange le mieux. Ici, en l'occurrence, c'était le 5 11e qui m'arrangeait pour devenir 77 en bas. Et donc, 5 fois 7, aussi 35. Et si vous faites à la calculatrice 10 divisé par 22, 5 divisé par 11, 15 divisé par 33 et 35 divisé par 77, vous verrez, vous trouverez exactement le même nombre. C'est une règle qui marche bien. Il y a un petit cas particulier, c'est quand au départ, vous n'avez pas de fraction. On peut toujours transformer un entier en fraction. On l'écrit avec un dénominateur égal à 1. En effet, 3, vous n'avez qu'à dire que 3, ben c'est 3 divisé par 1. Donc vous rajoutez simplement 1 en bas et c'est devenu une fraction. De même, 15, c'est 15 sur 1. 42, c'est 42 sur 1. Donc l'entier, vous prenez l'entier sur 1 et vous le transformez en fraction. Et du coup, ça devient très facile de transformer 3 unième en 21 septième. Vous faites x 7, 1 x 7, ça fait 7. Attention, la propriété ne marche qu'avec la multiplication ou la division. Ça ne marche pas avec l'addition, ça ne marche pas avec la soustraction. Exemple, si j'ai 1 demi c'est ça, d'accord, 1 sur 2, si je voulais représenter. Si je multiplie en haut et en bas par 3, 1 fois 3 ça fait 3, 2 fois 3 ça fait 6, ça fait 3 sixièmes. Ben, si vous prenez un cercle et vous coupez en 6 parts égales, vous voyez bien que ça marche. C'est bien la même chose, ça vous fait bien, toujours encore, la moitié finalement. La moitié ou 3 sixièmes, c'est pareil. Par contre, sinon, je fais la même chose avec plus 3. 1 plus 3, ça fait 4. 2 plus 3, ça fait 5. Et bien, 4 cinquièmes, ça fait ce dessin-là. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose. Donc, ça ne marche pas avec plus. Ça ne marche pas non plus avec moi. Vous pouvez vérifier, hein, ça ne marchera pas avec moi non plus. Par contre, ça marche très bien avec fois. Ça marche très bien avec diviser. Voilà. Fin de la leçon. C'est une leçon relativement courte. Comme dit, beaucoup d'entre vous connaissez déjà la règle. Et ceux qui ne l'ont pas connue, ben, vous voyez que ce n'est pas une règle très compliquée. Il y a juste à retenir que vous avez le droit de multiplier en haut et en bas par le même nombre. Vous ne changerez pas la valeur de la fraction. Voilà. Donc, fin de cette vidéo.